Comme vous l'avez vu dans l'intro, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment isoler une ou plusieurs couleurs. C'est parti. Pour ce plan, je vais isoler la couleur jaune, donc la couleur des fleurs. Donc vous allez sélectionner votre plan, puis vous vous rendez dans les réglages de couleur et vous sélectionnez courbe de teinte saturation. Alors nous, on va être focus sur TEI contre SAT. Vous allez sur la pipette, vous allez sélectionner la couleur que vous voulez isoler. Donc moi, comme c'est le jaune, on va dessus et vous faites ça. Vous n'êtes pas obligé de faire un gros rond comme ça, ça sert à rien. Il faut vraiment isoler la couleur, donc ici, pour que ça prélève en fait les pigmentations, si on peut dire ça comme ça, de la couleur. Puis quand vous relâchez, vous voyez ceci. Alors pour vous expliquer simplement, ici vous avez les teintes de couleur. Donc les couleurs que vous allez ajuster vers le bas seront les couleurs qui seront désaturées. Et les couleurs que vous allez ajuster vers le haut seront les couleurs qui seront bien plus saturées en gros. Et c'est justement ce que ça signifie, teinte contre saturation. La teinte est ici et la saturation est par là quoi. Par exemple, si je descends la couleur jaune ici, ils seront en noir et blanc. Ou ils vont perdre de leur couleur. Voilà. Et je ne sais pas si vous le voyez, le mur derrière elle est un peu bleu. Donc si je fais augmenter le bleu, on verra un peu plus le bleu. Je vais le saturer de fou. C'est vraiment à vous d'ajuster cette coupe pour obtenir le résultat voulu. Donc il n'y a pas de pré-réglage car ça dépend vraiment du plan que vous avez. Donc on va recommencer. Donc alors, je vais resélectionner la couleur. Je souhaite isoler la couleur jaune. Donc je vais descendre tout sauf le jaune. On va descendre le bleu. Et on va descendre aussi le violet s'il le faut. Voilà. Ici, on peut voir que le visage n'est pas complètement noir et blanc car il y a certaines teintes de jaune sur son visage, forcément. Donc du coup, si je souhaitais mettre son visage également en noir et blanc, il faudrait que je baisse un petit peu la saturation du jaune. Donc si par exemple je fais ça, vous voyez que son visage se met un petit peu, là c'est un peu mieux. Et là, c'est vraiment à vous de trouver le parfait équilibre entre ce que vous voulez et ce qui est faisable en fait. Si je monte à fond, par exemple, elle est grave mise en avant avec les fleurs et tout ce qui est à l'extérieur, donc tout ce qui est en bleu, a été désaturé. Donc voici le avant et le après. Avant, après. Mais pour obtenir le résultat voulu, je vous conseille vraiment de prendre votre temps. Au final, j'ai changé de plan pour prendre une séquence un peu plus intéressante. Maintenant, on va essayer d'isoler sa robe rouge. C'est parti. Alors, je sélectionne mon plan. Réglage couleur. Coupe teinte de saturation. Je vais sur la pipette. Je sélectionne le rouge de sa robe. Puis après, je descends les couleurs qui ne sont pas du rouge. Donc, le jaune. Et aussi, bon là, disons le rose. Et voilà. Donc, c'est vraiment à vous de jauger. Vous pouvez faire comme vous voulez, comme ça, pour voir qu'est-ce qui vous plaît. Mais l'important, c'est que le rouge ne soit pas dans le négatif. Si vous voulez, vous pouvez encore plus la mettre. Voilà, là, c'est un rouge scarlet carrément, là. Mais ça fait un petit peu trop faux. Donc, on va quand même le remettre au ton moyen quand même. Donc, voilà. Et allons voir le résultat. En plus, je vois qu'elle a des reflets rouges au niveau des cheveux. Donc, en plus de ça, ça le fait. Dites-moi si vous connaissez cette astuce assez simple. N'oubliez pas de liker et de peut-être de vous abonner. Ce serait pas mal. Ciao!